d'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes les enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour l'Afrique. Cette invitation à toutes les filles et à tous les fils de lutter pour l'Afrique sous-tend la grande mobilisation qui entoure l'engagement des peuples à tourner la page pour l'alternance démocratique en Afrique. La mère des continents et berceau de l'humanité est sérieusement attaquée par le fléau de la gérontocratie d'une part et celui de l'autocratie d'autre part, donc du règne d'une minorité plus forte et riche sur une majorité très faible et très pauvre. Au sein des différentes organisations sous-régionales, notamment la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est et la SADC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe, existent ces chefs d'État qui sont réfractaires à tout changement, tripatouillant les constitutions, sautant le verrou de la limitation du mandat, accaparant le pouvoir, opprimant les peuples, balayant du revers de main les aspirations profondes de ceux-ci, les assujettissant à la cadence imposée par la machine de répression qui tue toute velléité de soulèvement. Ainsi, au sein de la CEDAO, on constate avec amertume un quatrième mandat de Faure Gnassingbé à la tête du Togo avec son pseudonyme « Jeune Doyen », comme l'appelle affectueusement Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui a réussi, lui, à forcer un troisième mandat très controversé, tout comme son alter ego Alpha Condé de la Guinée. Des jeunes en parlent, à travers plusieurs canaux, notamment la musique et la danse, avec des affiches qui dénoncent le mal. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zumangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Si lueur d'espoir il y a quant à la question de l'alternance pacifique ou encore d'un président qui respecte la Constitution et quitte le pouvoir à l'issue de ses deux mandats constitutionnels, il s'agit bel et bien du Niger où Mahamadou Issoufou assiste comme observateur à l'élection de son remplaçant. On peut également se réjouir de l'engagement du président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo qui ne cesse d'appeler ses pairs à mettre fin à la boulimie du pouvoir, une boulimie qui les amène à briguer des mandats anticonstitutionnels. On peut aussi parler du Cap-Vert où les choses semblent se faire dans ce sens. Cette triste réalité expose le continent au fléau d'insécurité grandissante, notamment le terrorisme, appauvrisse les peuples au détriment d'une minorité dangereuse qui s'enrichit davantage et empêche les populations de s'épanouir pleinement. La soif d'alternance et de démocratie suscite une prise de responsabilité qui s'accentue autour des organisations de la société civile du Burundi, du Cameroun, de la République du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Togo, tous décidés à œuvrer aux côtés des peuples pour tourner la page. En Afrique, à l'exception de certains pays comme le Ghana, la démocratie est sérieusement éprouvée et tourner la page devient une évidence. «
Yeah.